La place du Mistral est dynamisée par elle, annonce du bal de promo dans les derniers épisodes de Plus belle la vie. Lola emmène tout le monde pour préparer cette soirée qui inscrit toutes les generations du lycée Vincent Scotto en TTD, affiche. Si les adolescents se mettent en ordre de marche, les adultes sont également en joue par cette cérémonie. Franck et Delphine se joignent à la fête en S, ajoutant respectivement à la maintenance et à la décoration. Dans Elle, inédit du lundi 20 juin 2022 sur Elle, antenne de France 3, le bal va ravir plus d'une personne au sein de Elle, hôtel du ZFE. Luna est très heureuse. Elle revoit Rudy après plusieurs années d'absence. Il vient en compagnie de Ninon et de Martin, leur enfant. La gérante du ZFE va pouvoir présenter son fils Sébastien, son nouveau compagnon, ainsi que Asunali et Pablo. Mais elle, adolescente du responsable de elle, hôtel AD, autre projet en tête. En effet, en replongeant dans le bal, Dimitri a vu renaître le traumatisme de la mort de Natacha, sa ex-droit d'auteur à. Mais un mystérieux inconnu se met en travers du chemin du lycéenne. Mais pour avoir des informations supplémentaires, il doit garder le silence pendant 24 heures. Ce mutisme le conduit en heure en col. Sunali, solidaire, elle, accompagne dans ce défi. Pendant ce temps, dans Elle, épisode du jour, Tim continue son enquête sur Vincent Marceau. Le journaliste est bien décidé à réunir les preuves nécessaires contre elle, actionnaire principal de BTC. Ils interrogent alors un ex-comptable de la société qui lui raconte une fraude de fausse facturation. Mais en faisant cette terrible découverte, il est fait à journée de tous les postes de la région. Abdel profite de cette information lors d'un déjeuner entre Elisa et son père pour le confronter sur les montages financiers douteux de elle, entreprise. Vincent Marceau a réponse à tous les questionnements du magistrat. Pour elle, Amadoué, elle, homme d'affaires elle, invite à une soirée. Barbara lui conseille de copier des documents compromettants sur une clé USB. La suite des péripéties du quartier du Mistral est à retrouver dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, diffuse du lundi au vendredi dès 20h20 sur Elle, antenne de France.